Avec 15 pays en commun pour la lutte contre les violences basées sur le genre, la Guinée a procédé au lancement officiel du projet de campagne médiatique Plaidoyer multi-acteurs sur le viol sur mineur. Makalé Souma, présidente du dit projet, fait les points. Comme son nom l'indique, c'est bien une campagne multi-acteurs sur le viol sur mineur. Et notre rôle ici, c'est d'interpeller chaque acteur de la société sur sa responsabilité. Les parents en ce qui concerne la protection des enfants d'abord, et en cas de viol malgré cette protection, la dénonciation, amener les parents à dénoncer les cas de viol perpétrés sur leur enfant. De son côté, la représentante du CNT dit être touchée par le dévouement de l'équipe pour la mise en place du projet. Le travail abattu par l'ONG, le réseau ouest africain des jeunes femmes leaders, pour pouvoir décrocher ce fonds pour réaliser cette activité, qui n'est d'autre que l'activité de médiation et de plaidoyer sur les cas de viol sur mineurs, avec les multiples acteurs. Et c'est très important d'impliquer des autres acteurs, les médias, surtout pour vraiment éradiquer maintenant ces cas de viol. Parce que le viol, c'est encore une autre forme, une des autres formes ignobles de violence dont les jeunes filles sont victimes, qui confixent d'ailleurs leur avenir. Parce que vous me dites, quand une fille est victime de viol, et qui peuvent être accompagnées avec toutes ces séquelles, comment elle peut aller à l'école? Non, elle ne peut pas aller à l'école. Donc c'est pour cette raison que nous saluons et à notre niveau, au CNT, nous sommes dans la dynamique de travailler sur ce genre d'initiative, sur ce genre de loi pour pouvoir mettre les mécanismes forts de lutte contre les violences faites aux femmes, surtout les cas de viol. Kadia Toumbagasouba, représentante de l'OPROGEM au lancement du projet de campagne, dit être contente qu'un tel projet s'installe dans le pays pour participer à la lutte contre les violences basées sur les genres et les viols sur mineurs. C'est un projet qui va nous plaire beaucoup et qui va nous aider aussi dans notre travail. Parce qu'avec l'aide d'un tel projet dans notre vie, dans notre société, ça nous aidera beaucoup dans notre service. Pour ce réseau de jeunes femmes leaders, dénoncer des crimes et appliquer la loi dans toute sa rigueur, contribue à la protection de nos enfants, des enfants qui constituent notre futur.